Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Dans un certain nombre de parties du monde, ces droits restent à écrire. Dans d'autres, l'égalité réelle doit encore être atteinte. Donc c'est un combat qui doit nous mobiliser partout, tout le temps. Un combat transversal que nous allons porter dans le cadre de la présidence française du G7 en matière de santé, en matière d'éducation. Et naturellement, c'est une flamme que le président de la République cherche à garder vive. La France doit être à la hauteur de sa mission universelle. Encore une fois, c'est une mission et un combat pour un absolu qui n'est pas contre une autre civilisation, qui n'est pas contre les hommes. C'est un combat pour l'humanité, c'est un combat pour l'inclusion. Le président de la République à Erevan nous disait « ne lâchez rien », eh bien nous continuons ensemble ce combat.